Télévision, pas de place pour la crédulité dans Koh-Lanta. Après moins de deux semaines dans l'émission de TF1, Candice a été éliminée ce vendredi 2 avril. À la fin du quatrième épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes, la capitaine des Rouges a été sacrifiée par son équipe qui a joué sur sa candeur pour avancer sa stratégie. Théoriquement protégée de toute élimination grâce à son collier d'immunité, la candidate a choisi de ne pas l'utiliser lors du 12e jour de l'aventure, faussement rassurée par plusieurs personnes de son camp qui voulaient la voir partir. Comme Te Ayura ou encore Charlotte dans les saisons précédentes, l'instructrice de survie qui a eu la mauvaise idée de faire confiance à ses coéquipiers est donc repartie avec ce totem sans qu'il n'ait pu lui servir. Cette trahison n'a pas échappé aux internautes fans de l'émission qui ne sont pas revenus de la candeur de la candidate comme des machinations de son équipe, comme vous pouvez le voir ci-dessous. À voir également sur le HuffPost, Mundir hospitalisé et sous oxygène raconte sa femme lire aussi ce n'était pas mon heure, Mundir donne de ses nouvelles après son hospitalisation, le retour de ce héros de Koh-Lanta n'est-ce pas passé inaperçu.